en fait, nous sommes le collectif Sauvage Garage qui a été créé en août 2012. Donc, nous sommes un tout jeune collectif qui a juste un an. Et nous avions l'habitude de nous produire sur des galeries numériques, en fait, qui se trouvaient en lien sur notre site internet. Et cette exposition est la première exposition concrète qu'on fait et qui se trouve à Bordeaux. Sauvage Garage, c'est vraiment l'idée de pouvoir créer librement, en même temps de s'influencer positivement entre personnes qui sont passionnées par l'art mais qui viennent d'horizons différents. On a des dessinateurs de bande dessinée, des illustrateurs, des graphistes, des photographes. On est toujours ouvert, en fait, notre but c'est vraiment de réunir des personnes qui ont des pratiques différentes, qui ont des expériences différentes, des âges différents, et de pouvoir se montrer ensemble à travers la France par le biais d'Internet et d'expositions comme celle-ci. Alors, dans notre désir de tester, de sortir des cadres de ce qu'on a l'habitude de voir dans les expositions ou dans les contraintes qui sont données, avec le collectif, on a décidé d'investir les toilettes du lieu, le rez-de-chaussée qui nous abrite, pour pouvoir faire une grande fresque à la peinture fluorescente qui ressort à la lumière noire. Donc, si jamais vous passez à notre exposition, on vous en prie, visitez les toilettes. Ha ha ha.